Sasa ile nyumba. Sasa niko kuza kali kwa na banana. Ile imepika huku na huku. Ona nyumba zile na ilaze. Haki ngie mpia katikati ya huku. Akose pale njoo mwisho ya ile nyumba, ile njoo pinyo ile nyumba. Twende ona. Ngie basi la pasta. Bo twende wanga uonyeshe na ile bomu. Iko siko pale chini. Bila bibi mwa deshi. Niko pale chini. Hapa mugunga kabisa, ng'ombe naanguka kuwata. Hapa tuko Mugunga kwa bombi naangukia. Ona. Bombi naanguka hapa na bomola nyumba deja. Watu wa bangapi njoo bana nani? Bawili. Mwana kwa. Ah, make bawili njoo bana nani? Bawili njoo bana pondekani. Make wengine wote watakuwa bia. Napa njo hapa. Balende Congolais Télévision to kusulula masuala itali mboka ndenge tulubaka lelo na kati ya République démocratique du Congo ba dossier ezali mo ebele mais lelo oyo to touché particulièrement situation oyo tu kokoma sikasika ane tozali kusulula masuala boye na kati ya Congolais Télévision na émission na biso ya lelo déjà tozui situation les chefs de l'État lobaki a moindre escarmouche a kosangisa deux et a kosangisa parlement en congrès et à déclarer guerre, à vous signer guerre, à la déclarer. Mais tout le monde est situation à Mouesso. Et le nom de Tazali Kobeta Masolo, pour les fidèles téléspectateurs, n'a pas dit que Ndeko Nanga, réalisateur Sam, a illustré les biso image Oyo, pour mon situation à l'Est, la République démocratique du Congo. Je vous dis que c'est à l'heure actuelle, Oyo, le terroriste à M23, va aussi qu'on boit à deux bombes. Mon corps est quoi, il Mugungu. Et mon sou est quoi na Kari Simbi. What? Ma image, oh, vous allez comme on a, oh, Ndegonanga, vous allez pour illustrer, et allez situation, oh, yo, et quoi, si quoi, sika, sika, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous voyez qu'il a mis sur un moindre escarmouche. Est-ce que vous allez provocation, t'es déjà à deux reprises? Tout ce qui est moi, je suis 19 blessés, 19 victimes, les lots, oh, yo. Donner aux alliés n'ayant combat FARDC M23, une bombe est tombée cet après-midi à Goma, au quartier Mugungu, en commune de Karisimbi, non loin du complexe scolaire Nengampeta. Les premières informations à notre possession font état d'un bilan de 3 personnes blessées aux côtés des dégâts matériels après l'explosion de cette bombe. Rapporte Wanez Ali Bongo, l'information d'aller sur place. L'origine de cette bombe est jusque-là inconnue. Là, pour l'instant, aucune communication côté armée, mais des témoins sur place disent que la bombe serait larguée par les rebelles du M23. Les autres Ali Bongo, tant que ma souris Ali Motoboy, actualité Ali viral et Sengeli Motopé de qualité, l'invité de marque. Pour que tout soit l'année, Massoulé, Italie, République démocratique du Congo, parce que nous allons toucher aussi actuellement la situation politique en République démocratique du Congo, parce que vous voyez que la tension est allée. La tension est allée dans la scène politique. Hier, tout le monde a dit en haut, dans la 4e Sainte-Anne,
messe ya commémoration et Tshisekedi. Mais tout le monde a salutation moi pour une tiga réunion sacrée d'aller se déchirer. Mais moi n'amboka l'acteur politique et maître et Pichumalu a fait une sa vérité. Est-ce l'union sacrée et pour se déchirer de l'union sacrée et pour se porter n'est une guerre déjà ils ont lancé la carte l'union sacrée. Moi n'amboka maître Pichumalu et c'est moi qui embonne pour la télévision la population va dire pour l'andayo motenayo. Nazongisi longonya pe mbote pe matondi yambo na mentor spirituel na ngai tata Nzambe parce que ça y est bomo ezalite ça y est maître Pichumalu le communicateur titre de chef de l'État je suis rien voilà pourquoi yambona banda na banda kana na reconnaissance wana pour que boye botombwama yami balé na pesi longonya pe matondi na peuple congolais banso oyo yo ba pesi confiance na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi à travers notre communication étant que les communicateurs attitrés du chef de l'État parce que ce n'était pas facile face à cette opposition teintée de la haine dans l'esprit séparatiste mais nous avons quand même approuvé à suffisance de quoi nous sommes capables pour convaincre pour faire montre le bienfaisant du chef de l'État et des institutions auprès de la population, conséquences positives, chef de l'État réélu avec 73%. Donc c'est déjà une bonne chose. Et nous remercions aussi la gratitude du chef de l'État auprès de nous, ses communicateurs attitrés, et de la population congolaise en général, voire même vous aussi, les hommes des médias. Et sans oublier Congo Live TV, donc vous avez vraiment le vent en poupe, donc nous vous félicitons pour le bon travail. Merci. Et tous les compatriotes de là où vous êtes, donc, ici, quand vous avez besoin de vous, 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 vous avez besoin de vous. Voilà, mais moi, je suis maître Pichumalu, je suis maître Pichumalu, je suis maître parce que le dossier Oyo, le communicateur a titré à chef de l'État et Sengeli, a l'obé la vie sur quelque chose. Parce que, non, je suis maître Saboye, moi, je suis Félix, toi, tu sais que tu es maître Pichumalu, parce que tu es maître Pichumalu, moi, je suis maître Pichumalu. Na évité ba kongolais balandi ba image na début à émission oyo et puis ba image ezali toujours illustrée par ndeko nangai to évité to lo ba lisusu ni mwana mboka situation est est république démocratique du Congo solution est pour ta wapi mwana mboka ba donner yango yo encore koyi awa à l'heure actuelle 13 corps de personnes enlevées et ezali bongo retrouvés le mokolo ya lelo 2 février na kati ya village ya groupement ya Busanza en territoire de Routchour, sous contrôle, il y a M23. Et deuxièmement, encore, à l'heure actuelle, mon amoka, deux bombes de Routchikoukouya et causé la victime. Question à Est. Donc, on souhaite mettre mal. Nous sommes des cœurs dans la population habituée à l'Est du pays. Voilà pourquoi, on a eu ça rappelle le Congolais, l'air a sonné. Fungola ni Matoi, Fungola ni Miso. Sauvons le Congo avec nous-mêmes, le peuple congolais, déterminé derrière le commandant suprême. Sans Yango, Motomso a sauvé mon cannabis sur sanité. Je suis en train de vous rassurer par rapport à la déclaration chef de l'État dans les médias pendant ce moment de campagne. Il avait bien dit, à moins de escarmouche, à réunir le Parlement en congrès, et si Kakani a déclaré guerre, Namboka o Ezali Kobundi Sabiso, au monité qu'ils ont joué, parce que maintenant là, vous allez dans la législative, il y a Sika. Donc Sikoyo, c'est l'installation. Il y a l'Assemblée nationale, où il y a côté Siko, il y a déjà tout côté, on va aller préparer, il y a déjà un bureau d'âge, on a coupé sa bisou, dans un bureau définitif, et puis, tout le monde a dit qu'il y a Siko, l'installation à Sénat, parce que le Congrès, les deux chambres bicamérales, ils sont réunis. Donc, ah, Siko, tout ça, Siko, il y a l'Assemblée nationale, et il y a Siko, le Sénat, et il y a pour que la décision de Konzamboka, et la Tanzoto, chers compatriotes, il reste dans ce qu'il a dit. Et je suis en train de vous rassurer, beaucoup mona événement où est causé là, et ça événement à monde mondial. Il y a mon nazo qu'on interpelle, battu à droit de l'homme. Nazo qu'on interpelle, comité international. Nazo qu'on interpelle, États-Unis d'Amérique. Awa, peuple congolais, azako koufa. Toi qui sont des cloches à droit de l'homme, t'es. Toi qui sont des cloches à comité international. Mais tant que si ko biso tozo zo si ko makambu en marche parce que tozo salande tabou la rase. Tozo salande tabou la rase jusque na Rwanda. Et puis to renverser pouvoir à Kagame.
renverser pouvoir à Kagame. Je suis en train de vous assurer, parce que nous sommes déjà prêts. Tout est prêt. Ils ont eu l'installation chef de l'État, ils ont été installés. Ensemble national, il y a déjà des choses qui sont installées. Élection, il y a des sénateurs, bientôt déjà, ils vont lancer. Les deux chambres vont se réunir en congrès sous la convocation des membres de la chef de l'État. Conséquence, dans le monde, il y a une frappe directement l'ennemi du pays qui est le Rwanda. Mais... Et puis, jusqu'à renverser, je dis que le peuple rwandais n'a pas de problème dans le Congo. Mais le gouvernement Rwanda, diabolique, satanique, aux alliés qu'on ramenait déstabilisation, conflit à des nations, les innocents peuples, aux bataliques pour en pâtir, la conséquence, il y a mauvaise foi, il y a Ndeko Kagame à travers l'accompagnement à comité international des États-Unis d'Amérique pour déstabiliser non seulement la RDC, mais l'Afrique centrale en général, pour des intérêts machiavéliques, aux alliés bongo, nos minéraux, les dons bénis de l'Éternel. Voilà pour conséquence, Bozomo n'en est tabou la rase. Parce que nous allons frapper maintenant. Il n'y a plus question à dire, il n'y a plus question à revoir, il n'y a plus question à voir de gauche. Pourquoi? Parce que notre armée est fortement dynamisée, redynamisée, réformée, avec des matériaux incontournables, incontestables. La base, c'est qui déjà que tant que tu as bêta qui est un peu comme ça, il y a un peu comme ça. Boré que les côtes n'ont pas beaucoup là, bah comme il peut sa peuple à ça la matinée. Ah mais les Yangoïs auraient pu quitter bon. Et là comment quoi? Ils allaient pas si parce que ils allaient bah compatriotes les innocents bah koufi. Ils allaient pas si tous allaient compatriotes na Bango, nous sommes de cœur avec Bango, mais la solution est déjà là à la porte. La solution est déjà là à la porte à travers notre armée congolaise réformée, refondée, redynamisée. Bien équipé avec la détermination du commandant suprême, le chef de l'État, Bozo Kasango. Mais on ne veut même pas écouter la voix de cette communauté internationale. On ne veut même pas écouter la voix des droits de l'homme. Pourquoi? Parce que quand les peuples congolais, Bazako Koufa, Toki Mingong, la Bangote, Yango Janate, Bangote, Maître Bangote, Bangote, Ouais, bongo, maloba, il y a communicateur attitré du chef de l'État, parce que ils allaient poser question à la population congolaise, ils allaient tout n'aller loin, moi n'amboka mettre plus tout malou. Tous ceux qui collent là, ah ouais, situation de guerre na est, tous singi appui, y a EAC, EAC y est. Et même si on a aventuré, on est sur les salios, après, on a su que l'on a que bongo va être pour l'offensive, bongo on a baqué, bah salini, baqué. Les autres jouent Sadek. Ça n'est quoi, tu mets qui histoire, nanana, Mousé Laurent, Balongaka, Baganyaka, voilà, tu vas les sauver. Mais jusque-là, ça n'est que tout le monde est sous. Ça n'est qu'à Bungi n'a intérêt. Qui sauvera la République démocratique du Congo? C'est nous-mêmes les Congolais, c'est les FARDC, avec le Waza Waza Lendo. Ensemble, boucle. C'est comme ça. Il n'y a pas question de qui c'est ce soir. Ce sont, on les a dit, ma relation, on les a dit, bon, bilatéral. Na cadre wana soko mona ke bango pa bango moko ne bazali ko solliciter ko pe ki sa voisin te o moni te parce que les problèmes o ya RDC ezali non seulement ya RDC ezali problème ezali ya Afrique centrale. L'insécurité de la RDC ezali ko toucher Afrique centrale. Voilà pourquoi cet accompagnement ezako ya. Mais ce n'est pas que biso RDC tozali ko compter sur yango. Si on dit bongo, on ne devait pas réformer l'armée. On ne veut pas redynamiser notre armée. On ne veut pas équiper notre armée. Mais niveau où ils ont équipé, oh, on ne veut pas faire ça. Mais tant que ton sali et salami bongo sous l'impulsion du commandant suprême et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, ça veut dire que nous sommes déterminés à éradiquer ces fléaux diaboliques, machiavéliques, qui a comité international derrière le Rwanda. Bientôt l'histoire va terminer. Je vous dis que l'histoire va terminer et l'histoire est aussi dans le monde entier. Otozako Salabango. Otozako Salabango, déjà porte-parole, il y a armée, Nanon Kivu, article Tine de la Bissou, déjà des pêches Oyo, Goma, visé par des bombardements M23, confirme l'armée congolaise, une bombe est tombée à Mugunga. Et le premier élément à notre possession indique que la bombe a été tirée par les terroristes de l'armée rwandaise et leurs alliés à partir de la colline de Kagano. Nos services y travaillent déjà et dans les heures qui suivent, vous aurez plus de détails, dit le porte-parole de l'armée congolaise au Nord Kivu. Banzolani, pour comprendre que le service de la Moussala, nous avons détecté la cause. C'est ça la cause. Mais nous avons détecté, s'il vous plaît. Au moins, nous sommes des professionnels.
on ne peut pas faire des choses comme si bateau bazali communiquer. Ezali likambo ya mabo ya mabele. Ezali likambo mboka. Nous devons rester dans le principe ça concerne. C'est ce qui est de l'ordre de la gestion Félix Antoine Tshisekedi. Oui, nous avons hérité cette conséquence diabolique de la gestion passée. Oh le roza ko mona na bilili les ali ko tia lisama. Roubé wa ke ko sala nini. Na contraire Rwanda les ali ko sala. Ni roubé wa ke ko sala nini sika Rwanda. Paul Kagame azali ko signer ba contrat ke ko sala nini. Peuple congolais, tant qu'on a ebisa kabino, bon mona ka ngolo ko ba théâtre. La vérité si ko yango ko ni ko. Mais est-ce que c'est-à-dire que la traite tant on a l'Assemblée nationale lobby cher honorable quitter les groupes armés Roubé Roto et qui a dit comme politique na quatre République démocratique du Congo Rwanda a dit qu'on signer contrat yena Tinto et a dit bon compagnie to entreprise oyo et pour ça la sous transformation ba minéré oyo Rwanda dans la Ganangote mais ba dit que ça la mona Rwanda mais c'est ça les produits de Kanambe, c'est ça les produits de Kanambe, c'est ce que Kanambe a fait hériter les Congolais Pendant 18 ans qu'il a géré le pays, c'est lui qui nous a amené ce genre de théâtre. C'est lui qui nous a amené ce genre d'ennemis, ce genre d'infiltration. C'est ça les conséquences. Maintenant que le peuple congolais qui soit mature, on ne peut plus donner l'espace. Nous devons rester unis, consolidés derrière le chef de l'État, qui est déterminé à récupérer notre intégrité territoriale à travers notre FRDC. Voilà les réformes. C'est ce que nous demandons au peuple congolais. Les rationner, on ne peut plus rester qui dit bah. Qui dit Bakolo, qui dit Bézali Soudouté, chers compatriotes. Mais aussi, les vérités, à moi, les preuves sont là. Roubaix, moi, ensemble avec Kagame, va faire signer contre l'intérêt rwandais. C'est-à-dire que c'est un produit rwandais, on a invité, on s'est épuisé à gérer une administration, avec un ministre, en charge de la décentralisation. Vous voyez bien l'histoire à venir. S'il vous plaît. Nous avons eu à dénoncer cela. Sur la balkanisation, moi, j'ai été arrêté. À cause de la dénonciation, de la balkanisation de ce pays, j'ai été arrêté. Je fais 6 mois avec des tortures corporelles, il y a ma sécurité. Moi, je vis Kabila Kanambe, comme ça, dans l'ANR, dans le bureau, il y a AGM, comme ça. Koboye, boye. Ma ben, les têtes. Comme ça. Je vous dis parce que nous totalement qui pour la côté mais la balkanisation à l'époque avec Moïse Mounide là on était ensemble avec les aînés les Franck Diongo et tous les consorts. On était là pour être déterminé pour que balkanisation chambidoyma la constitution oh le ma constitution sur article 217. Nous avons été arrêtés pour ça. Nous avons été arrêtés pour ça. Voilà pourquoi aujourd'hui peuple congolais vérité la ngoyo est commis. Bon, qui est Roubaix, c'est un Rwandais, donc Rwandais est constaté. Avec un produit Rwandais infiltré dans l'administration, dans l'institution congolaise, pour na ko communiquer dans Rwanda et puis qu'on pèse un espace dans Rwanda, il va émerger dans le cadre de la mission. Mais bah, si nous avons dit que nous avons un gouvernement ou un gouvernement, ou ZDF. Voilà pourquoi le chef de l'État avait. Il a appelé tout autour le chef de l'État, Bazali, voilà pourquoi le chef de l'État avait dit le déboulonnement de système. Il était allé plus haut. Les gens n'ont pas compris. Le déboulonnement de système. Il y a un peu de vertige. C'est ça. Tout ça dit qu'on déboulonnait le système. Est-ce que nous avons dit que Roubaix a se retrouvé pour nous? Mais c'est un système déboulonné sur la haute politique du chef de l'État. Avec Missiani. C'est la haute diplomatie du chef de l'État. Avec Missiani. Mais tout ça dit qu'on détecte, tout ça dit qu'on bimissabango, moko na moko. Pour que l'institution de la mission éthique soit mieux gérée par les Congolais. Voilà pourquoi nous avons dit le Congo ne sera plus géré par un étranger. Les institutions congolaises ne seront plus gérées par un étranger. Pour conséquence, Bomoni Makambosa Melibiso. Il y a un que conscience qu'on a aujourd'hui est de l'ordre de nous-mêmes, les Congolais. L'ordre de nous-mêmes, les Congolais, mon amour, maître Epichu Malouda. Je dis que les gens ont dit vérité, rien que la vérité. Tout le monde a dit que les Congolais ont dit que les Canadiens ont une scène politique, la République démocratique du Congo. Les gens ont dit qu'ils ont visé vers les intérêts propres et personnels. Aussi longtemps qu'il y a des situations qui se passent. Les gens ont dit que les accords ont été mis entre les sociétés américaines et les Syriens. Ils ont dit que les accords na Rwanda. Les gens ont dit que les gens ont dit que les gens ont dit. Or, transformation ba minéré ou est à la cobalt, est à la lithium,
et bimaka na kati ya territoire congolais et bimaka na Rubaya et bimaka na ba walikale et bimaka ba place wana nene nini société wana eko signé contrat na Rwanda au lieu que signé contrat na République démocratique du Congo. Est-ce qu'ils ali pe et autres dit ils ali complot moko ti limiko sale ba contrat complot na bango wana eko zala exécuté te ba ko simbe lango touche. Pourquoi? Parce que tabou la race, ratissage autres ali ko sala face à Rwanda. Parce que là, on est en train maintenant de mettre en place les institutions. Vous avez la période, il y a qu'on mettre en place l'institution pour nani yasika. Vous comprenez? Alors, tout ça, tant que ma immense au Mazali Kosa, la Ménama. Conséquences positives, première des choses, c'est cesser l'insécurité à l'est du pays. Sauvegarder notre intégrité territoriale. Nos minéraux, ce n'est pas pour rien qu'on l'a dit quand même. Le grand travail à cesser. Avec Freddy Mwamba Kakanyiku, aujourd'hui nous a produit un laboratoire ultra moderne. Qu'on en a là-bas. Ils allaient que ça a été minéré dans le moyen de l'issue de l'issue britannique. Ils allaient que ça a été mon thème à l'Ikundu. Ils allaient que épais à Bango, mon thème à ma bain. Il y a que l'issue de l'Ikundu. Ils allaient que pourquoi ils ont compris que nos minéraux ne sortira plus. Tous ces allaient intelligence, il y a un Congolais. Un Congolais qui a compris la vision du chef de l'État, qui a compris la confiance que le chef de l'État a placée à lui, Freddy Mwamba Kanyiku. Il a dit non, moi aussi je vais ramener l'expertise, ma contribution à Jupierre Naye Atier, à Thierry Bissot Laboratoire, ultra moderne, pour sécuriser minéraux à Bissot. Tout ça, ce sont des histoires qu'aujourd'hui le peuple congolais doit comprendre. C'est-à-dire que, complot à Bangwana, ils allient nul et sans effet, et qu'on soit, et pourquoi nos minéraux, nos égobimales, ils sont tant que tu as bêté à Bambou, va-t'en le meilleur. Mon frère, cher compatriote, de là où vous êtes, je suis celui qui parle des choses sérieuses, étant que le communicateur est le chef de l'État. Je vous rassure, ce qu'a dit le chef de l'État, c'est ce qui doit être exécuté. C'est seulement qu'on est en train de mettre en place les institutions où il faut décider. C'est qu'a déclaré le chef de l'État et puis besoin on a les sorts. Pourquoi? Notre armée est valablement équipée, est valablement restaurée, est valablement redynamisée, est valablement réformée avec des militaires de qualité, avec des matériels ultra modernes. Oh, ok. Donc, on a la source, on a posé au commun à Rwanda. À travers Kaka Goma, tout ça, qu'on a exterminé Rwanda. Et puis, dans le message que nous allons renverser le pouvoir à Kagame. Je vous dis que l'opposition ya Rwanda est allée côté les menaces pour voir Kagame na Moussa et à ma belle allée côté la Congo. Donc c'est le cas à RDC. Mais je vous dis que cette allée opposition c'est allée travailler d'une manière républicaine. L'intérêt à peuple, l'intérêt pour sauvegarder la paix dans la sous-région, c'est très important. Nous allons renverser ce pouvoir Kagame. On a eu message aux allées. Nous allons à travers la force de la FRDC. Tous on a pensé intérêt à Libanais, à Bisso Moko ba Congolais, ensemble avec la population congolaise, ensemble avec les Waza. L'esprit Waza est partout. L'esprit Waza, c'est dans nous, le peuple congolais. L'air a sonné. L'esprit Waza à nous, avec nous. Voilà, derrière le chef de l'État. Je suis un peu mon amboka, maître Pichumalou. De mon commémoration à Sphinx et à Limité, le docteur Étienne Tshisekedi du Wamulumba, à Isalamaki Bongo, à Sainte-Anne, la paroisse catholique. Chef de l'État s'est présenté, mais tout le monde a attitude à bateau. Ma mise sur le bateau, même par comportement, tu as dit que ce qui est un problème, même à ta regard, même à ta licambo, vous allez un peu moins compliqué. Est-ce que l'Union sacrée qu'on s'est déchiré, tout l'Union sacrée qu'on s'est porté bien, mon amour? Chapeau bas à mon mentor politique, Sphinx, Mkongwankoba, de reste mémoire, ya, check. Donc, il y a konzi, la politique à Congo. Ceux qui sont toujours soulignés. Donc, on était là, on était là, on a commémoré l'esprit. Et on a dit que c'est victoire en victoire. On a dit que force est au côté, on a dit que peuple congolais est énergé, matimakas. On a dit que les conséquences sont 73%, on va comprendre. Donc, l'esprit sphinx, c'est ce côté. Donc, l'esprit qui vient, c'est ce côté, l'esprit congolais. Tout ça, ce qu'on a dit, l'esprit congolais. Et on a des conséquences positives. Des conséquences positives. Positives.
par rapport à Maramolobi, yo nakata union sacrée, je suis en train de vous dire, je salis encore l'esprit patriotique. Il y a CG Augustin Kabou, il y a Monabouté, que j'ai beaucoup de l'estime et du respect. Il a démontré en civilisance étant que l'un des membres, il y a présidium valable nakata union sacrée. Il n'a pas trouvé ça un problème. Ce qui le CG Augustin Kabou, il y a le visionnaire, l'aigle, na aide d'avance. Mais il est passé, il a trouvé ça tout à fait normal. C'est ça la beauté de la démocratie. Akiti ayambi et Vital Kamerhe na banzi etende konanga sama ko illustrer biso vidéo wana. Mais est-ce que ezali kaka te que moi ba to bi que moi li kambo yala motema mais si kaba si vous prenez Congo n'a plus le Congo de Tshisekedi n'a plus ce genre de comportement, n'a plus ce genre de haine ou de non, on n'est pas dans la dictature. Je vous comprends. Parce qu'on rêvait de la dictature pendant plus de 18 ans. Voilà pourquoi cet esprit reste en nous. Mais vous devez comprendre que les choses changent avec Félix-Antoine Tshisekedi. La beauté de la démocratie. On sait de l'Union sacrée, c'est une famille politique. La politique, ils allaient enquête à pouvoir. Mais l'Union sacrée, gouvernement, il faut abîmer. Premier ministre, il faut abîmer. Le ministre, il faut abîmer. Si quoi, il y a pas de problème. Si il n'y a pas de composant, tout. Le parti politique, c'est l'Union sacrée. Ce qui peut être une grâce à la première ministre à travers autant de députés. C'est tout à fait normal. Ils ont une guerre politique. Dans le cas de la démocratie, nous devons saluer la maturité politique au sein de l'Union sacrée. C'est tout ça sous l'impulsion du chef de l'État. Malgré tout, parce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez rebelle. Ce sont des bonnes guerres politiques. S'il vous plaît, nous avons beaucoup de respect à Jean-Pierre Bemba Gombo. Touche à la arme, à la défense, à quand même l'avancée, l'organisation, la réorganisation de notre armée. C'est à travers la touche de Jean-Pierre Bemba Gombo. Il a la confiance du chef de l'État. Il a la confiance à Présidium. Il a la confiance à peuple congolais. Il n'est pas immonde de personne. On doit quand même être reconnaissant de lui. On ne peut même pas parler contraire par rapport à la faisabilité. Aujourd'hui, c'est lui qui est en train d'assurer maintenant les affaires de l'intérim, la rata primature. Donc, c'est un grand monsieur de la République. Il est en train de démontrer que c'est un patriote. Il travaille pour l'intérêt de la nation. C'est ça la démocratie. Chacun veut tirer les dents de son côté. Le gouvernement doit être sorti. Voilà. Et ça prouve suffisamment que Félix Antoine Tshisekedi, c'est un bon père de la démocratie de notre pays. Aujourd'hui, bonjour au monde. Voilà pourquoi je vais encore saluer l'esprit patriotisme. L'esprit, il y a un bon père, il y a Augustin Kabou, il y a Monabouté. Parce qu'il a prouvé à suffisance que c'est un rassembleur. C'est lui qui est tenté d'unifier quand même grand politicien autour du chef de l'État. Donc, Azali Moto, un bon manager. Voilà des hommes qu'il fallait. Voilà des hommes qu'il faut. Si on avait des esprits pareils d'Augustin Kabou depuis très longtemps, on ne devait pas avoir ce genre de théâtre dans notre pays. Donc c'était un monsieur à féliciter. Donc on ne peut plus parler. Il y a Bilo Komo. Non, il n'y en aura même pas. Nous sommes dans la paix, dans l'unité au sein de l'Union sacrée, derrière les chefs de l'État. Bon, le PCR et le Bini, l'autorité morale, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Sur Orolobani. Tout ça, là, on a intérêt à Mokon Zambora. Sur Orolobani. Ah, mais l'intérêt est un peu plus poste, tout la primature, tout la présidence d'Assemblée nationale. Il y a moi dans le Bible, les alliés, ce sont des bonnes guerres de la démocratie. Moto na moto, la kisa maka sinayo. La kisa maka sinayo. La kisa maka sinayo pour que osoa primature. La kisa maka sinayo pour que osoa Assemblée nationale. La kisa maka sinayo pour que osoa Sénat. La kisa un mot. Tout se fait normal. C'est ça la beauté de la démocratie. En tout cas, ce qui est à retenir, l'heure a sonné, chers compatriotes. Tolongwana distraction. To bandi mandat si, deuxième mandat si comme Konzambo a fait 67. Au bien au pécier confiance à travers nos communications parce que c'était pas facile devant cette opposition ailée, jaloux. Dans l'esprit, il y a division, il y a séparation. Dans l'esprit, il y a balkanisation. Dans l'esprit, il y a un peu de mais nous les avons montré qu'on n'était pas de moindre. Totalicien, tu es mon mosala. Et puis, vous avez confiance pour réitérer au chef de l'État. Vous pouvez demander à Mibali Asika avec mention à distinction. Histoire, dans le Congo, en Afrique, dans le monde entier. Distinction à Félix Antoine Tshisekedi.
Voilà l'ordre pour lui, il y a qu'au servir nation, il y a qu'au mettre paix dans SDPI, il y a qu'au paix sa bino sociale. C'est ce que je souhaite de demander, il est que les communicateurs de l'intérêt n'intéresse la jeunesse congolaise. Vous voyez pourquoi problème, il y a chômage, il y a quoi endurer, dans la population de la mission. Oui bien, mais je vais quand même le dénoncer ça. Et ça est fandi, il y a expérience professionnelle. C'est ce que je suis en train de recommander dans le gouvernement Nabisso. Je recommande l'Assemblée nationale Nabisso. On doit sauver la jeunesse congolaise. C'est-à-dire que aujourd'hui, la jeunesse congolaise doit se retrouver dans le deuxième mandat chef de l'État. Le on va lutter contre le chômage. Comment on va lutter contre le chômage? Chef de l'État, vous avez un message directement. Vous avez un message directement dans l'Assemblée nationale et dans le Sénat. Et c'est que l'expérience professionnelle, il y a un élément majeur qui est ramené chômage dans la jeunesse congolaise. Parce que l'entreprise est comme ça, le recrutement est comme ça, mais pas les personnes qui ça. C'est à travers l'expérience professionnelle qu'on va imposer dans la jeunesse. Comment un jeune diplômé, aussi c'est ça classique, on s'est engagé expérience professionnelle il y a 5 ans. C'est le réseau directement qui continue dans le chômage. C'est ce que je souhaite de mon rapport à l'intérêt de la jeunesse Nabisso, dans le mandat à Sika Mokonzamboka, et c'est ce qui va abolir l'expérience professionnelle. Et si la gare n'a pas de responsabilité au sein de l'administration, et non dans le jeune recrutement. Recrutement est en Europe, est en États, jamais on demande l'expérience professionnelle. Au tout coup, quand l'université, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit. C'est ce qui doit être fait. Ils ont dit apport Nangai, étant que communicateur à Mokonzamboka. Nous sommes là pour communiquer pour l'intérêt du peuple et l'intérêt des institutions. C'est ce que j'ai donné. Merci beaucoup.